commence par le plus petit pour m'entraîner. Les dents de cette petite lionne sont déjà capables de sectionner une main. Eric fait avec les moyens du bord pour limiter sa nervosité. Ben, comme ça, il ne boit pas, il stresse moins. Il sent juste une prise. Parce que sinon, ils peuvent être suragressifs. Ça peut faire mal? Ça peut vous déchirer la peau, le bras. Là, je tiens un pli de peau, ouais, triangulaire, si tu veux. Je vais prendre à côté de toi. La puce d'identification est enfin posée. L'épaule, c'est bon. Ils ont beau avoir que 2 mois. Eux, ils en voient déjà pas mal. Le deuxième petit fauve va s'avérer encore plus nerveux. Ça va être un peu plus rock'n'roll. Une irritation largement partagée par la mère. Alertée par les cris de détresse de ses petits, la lionne fulmine dans sa cage. C'est tout, ma poulette. Bon, elle n'est pas contente d'être séparée de ses petits, ça c'est sûr. Puis en plus, elle les entend là, grogner un peu. Donc, forcément... Déjà 30 minutes que l'opération a commencé. Dans ce concert de rugissements, la petite dernière est au summum de l'excitation. Non, j'ai pas pris. Juste checker, tu reprends. Donc là, vous allez faire quoi après? Ah bah là, c'est bon. Alors... Oui, c'est tranquille. Voilà. Une fois calmés, les petits fauves seront rendus à leur maman. Ouais.